à tous, c'est Capitaine Flamme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode de Tips and Tricks des Roublards. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer encore une fois les murs de bombes. Mais un petit truc qu'une personne m'a fait découvrir et que j'utilise vraiment quasi tout le temps, pour pas dire... Enfin, pour pas dire tout le temps, pardon. Et c'est en fait c'est jouer avec aimantation et bottes. Donc je vais vous montrer ces deux sorts, vous les présenter assez brièvement. Donc les miens ils sont niveau 1 parce que je vois pas l'utilité de les monter plus haut niveau pour le moment. Donc c'est un sort qui marche un peu comme libération. Donc ça va taper dans une croix de 3 toutes les personnes à l'extérieur du point. Donc moi ici. Si je le fais devant moi, ça va taper le putsch sur le côté et ça pousse tout le monde de 1. Donc c'est quelque chose qui se passe sans ligne de vue, il me semble. Faut que j'essaie parce que je suis pas sûr. Si, si, il y a une ligne de vue, mais c'est la. Il me semble que c'est la panneau de classe qui désactive la ligne de vue. Donc c'est un sort vraiment pas mal, sachant qu'il est niveau 1 et que vous pouvez voir la portée est vraiment pas mal. Et. La seule chose qu'il fait, c'est que en augmentant les niveaux, c'est juste que la portée qui augmente. Hein. Donc encore une fois, si vous avez pas mal de potes base, ben, laissez le niveau 1, voire peut-être niveau 3, hein, ça dépend comment vous avez envie de jouer. Et en plus de ça, si on fait ça sur des alliés, ça augmente le. Ça fait un petit boost de dommage. Donc c'est pas très énorme, bon c'est déjà ça. Ensuite, aimantation, ça marche un peu différemment, mais c'est globalement la même chose, mais à l'inverse. Donc, comme son nom l'a dit, ça va aimanter les personnes, une personne. Donc là, par exemple, je vais vous montrer avec des bombes. Donc si j'invoque deux bombes, je vais, on va dire, aimanter le putsch, et ça va attirer toutes les personnes. Où les bombes vont être attirées de 3 cases et les personnes hors des bombes, donc invocation et tout ça, vont être aimantées de 1 case. Donc moi là comme c'est les bombes, ils ont été invités au cac. Aimantés au cac, pardon. Donc moi ce sort j'utilise beaucoup pour faire des triples bombes. Donc comme ici. J'essaie de les mettre en ligne pour faire un mur et j'en fais une troisième au milieu et puis je fais aimantation. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. Donc. Je vais en mettre une ici. Donc en PvP, c'est souvent ce que je fais. Donc en général, la personne, on va faire comme si elle avait bougé, elle vient vers moi. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc voilà, ça va se passer comme ça. Moi, on va dire que je vais fuir le cac. Encore une fois. Les murs de bombe, donc comme vous savez, je vous ai déjà expliqué, font des dommages deux fois par tour. Moi, je vais faire une bombe ici devant, et ensuite, je vais me décaler. J'ai mal calculé mon truc là, par contre. Je vais me décaler. S'il veut bien passer son tour, voilà. Et je vais aimanter le putsch pour rapprocher les bombes. Ensuite, moi je fais souvent ces derniers souffles, et ensuite on fait tout péter, et on fait des très gros dommages comme vous pouvez voir là. Et le truc que je voulais vous montrer en fait aujourd'hui, c'est par rapport à ça, aux sorémantations, il y a des possibilités qui sont vraiment pas mal niveau rocks. Donc, voilà, je vais faire ça à la limite. Alors, quand vous êtes au corps à corps, vous boostez tout ça, vous faites une bombe à au moins. Enfin, sauf si vous avez une épée, à l'extrémité de la zone bâton. Donc, moi je l'ai mis un peu plus loin pour vous montrer, pour que ce soit plus facile à voir. Donc, encore une fois, je vais la faire là. Donc, là, je crée le mur de bombe. Donc, ça fait une fois les dommages. Je vais faire une aimantation ici sur la première bombe. Ça va l'attirer, ça va lui refaire encore une fois des dommages. Je vais faire maintenant aimantation sur la deuxième. Ça lui refait encore une fois des dommages. Et ça marche aussi avec bot. Donc je vais vous montrer ça.
Si il veut bien passer son tour. Donc là, je lui ai fait 4 fois en fait les dommages. Mais je peux monter jusqu'à 6 fois. Donc là, j'ai mal calculé mon coup. Pardon. Avance, on va la tirer. Bien, je me suis mis moi-même dedans, c'est pas très intelligent. Donc on va refaire ça sur un nouveau putsch. Je vais essayer de mieux placer ça et vous allez plus vite comprendre. Donc je peux faire jusque. Ouais, donc il peut se prendre 6 fois les dommages avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc même si ça tape que 300 au premier jet, si vous faites le calcul, c'est assez monstrueux, sachant que en plus la bombe, comme elle va. Enfin le mur va rester longtemps. Si la personne ne casse pas le mur, ça va être assez énorme. Vous allez comprendre pourquoi. Cette fois-ci, on va le faire à la bonne hauteur, comme je vous ai conseillé. Donc voilà, le premier, on va faire aimantation ici. Ça va rapprocher le truc. Maintenant, on va faire botte. Ça va encore le bouger. Donc il se prend encore les dommages. Donc maintenant, aimantation. On rebouge. Logiquement, si j'avais eu assez de PA, j'aurais pu encore refaire une fois botte. Donc il se s'est pris 6 fois les dommages avant de pouvoir jouer son tour. Donc on va le refaire. Donc cette fois-ci, on va le faire au maximum. Donc botte une fois, aimantation une fois. Maintenant, on passe à l'autre, aimantation. Et logiquement, botte. Ah non, botte, on peut faire qu'une seule fois, pardon. Je me suis un peu trompé, donc c'est pas 6 fois, mais c'est 5 fois. Donc c'est assez énorme comme truc. Moi j'utilise beaucoup ces deux fois aimantation, parce que comme ça permet de garder la personne au corps à corps et de la placer comme on veut. Et si vous imaginez ça, une personne en fait, là je saurais pas le montrer parce qu'il faudrait un perso en face pour pouvoir montrer. Mais la bombe feu, ça va faire pas mal de dommages. Mais par contre, les bombes R et O, ça va. Donc là, normalement, elle fait moins 2 PM. On va l'aimanter une fois, ça fait encore moins 2 PM. On l'aimante de l'autre côté, ça refait moins 2 PM. On va lui faire une botte, encore moins 2 PM. Attends, passe son tour et ça lui refait encore moins 2 PM. Donc la personne là, elle se retrouve à moins 10 PM. Donc c'est assez énorme si vous avez un minimum de sagesse ou un minimum d'esquive. Moi là j'ai 51% d'esquive comment? D'esquive PM. Donc moi en général si je fais ça, ben, j'enlève presque à chaque fois, sauf si la personne est full sagesse, ben, les 2 PM. Donc ça permet vraiment de caler la personne à son corps à corps et l'éviter de bouger. Ou alors justement le bloquer et pouvoir aller se planquer par après. Mais souvent la personne, après un tour, ben, soit elle va essayer de se barrer avec des sortes de déplacements comme elle peut. Ou alors elle va... comment dire, elle va casser, enfin elle va tuer votre bombe. Ce qui va retirer le mur. Mais par contre, elle va souvent en oublier une. Donc on va dire que là, la personne, elle va venir à mon corps à corps. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, on va faire comme... Une fois qu'elle est revenue à mon corps à corps, je vais transposer avec entourloupe l'ancienne bombe et je vais refaire et hop, puis c'est reparti. Hein. Donc on peut quasi se retrouver à 0 PM 100% du temps ou à 0 PA encore une fois, donc c'est assez énorme comme truc, c'est quasi un Xelor, le roublard s'il est bien joué. Que moi personnellement en Coliseum je reste pas souvent en vie parce que les personnes, bah, déjà ils commencent à me connaître un petit peu parce que je fais souvent du Coliseum, mais en général quand ils voient un roublard, bah,
comme moi je spam cac et que je fonce dans le tap, et ils vont essayer de me focus. Donc à chaque fois je tiens pas plus de 3-4 tours, donc j'ai pas vraiment le temps de mettre en place tout. Mais bon, si votre team, genre on va dire Sacrieur et Niripsa, Roublard, vous faites un sacrifice, un mode de prêve, et là votre Roublard, ben, il est quasi invincible, à moins de se faire désenvoûter. Mais c'est franchement énorme comme capacité à utiliser. Et voilà, donc je sais pas si je vais peut-être faire découvrir cette technique-là à des roublards qui jouaient depuis longtemps. Je regarde s'il est connecté, mais voilà, Vunta, pardon, le roublard qui est premier au leader, ladder, pardon. De Summens, donc qui est niveau 199 il me semble, ou 190, ou 200. Et je lui ai appris, en fait c'est moi en faisant un défi avec lui, je lui ai appris ces techniques là qu'il connaissait pas. Donc petite dédicace à toi, pour les gens qui connaissent, c'est un crâne niveau 200, son personnage principal qui s'appelle Kramasutra, il a déjà participé deux fois je pense au Ghoul Terminator, donc c'est une personne assez connue sur ce serveur, donc petite dédicace à toi. Et c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire pour cet épisode. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à commenter pour me vous dire, enfin pour me dire vos ressentis et pour voir si vous connaissiez déjà cette technique ou pas. Si vous voulez mettre un petit pouce vert en dessous de la vidéo, pouce bleu par contre. Maintenant, ça a été changé les couleurs. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Tips and Tricks de Roublard. Salut à tous!